Eh bien, salut tout le monde, c'est Sycamore Coach des Paris Politot pour la Piforgie et on va parler échange dans cette vidéo parce que j'échange mon Rotom tondeuse, donc mon Motisma tondeuse, Rotom Mow, au coach des Waterloo Sourcebacks. Donc, je l'échange parce que finalement, j'avais un peu peur de ça quand j'ai fait ma draft. C'est son double type. Il est de type électrique plante et j'ai déjà Lanterne qui est de type eau électrique et Viridium qui est de type plante combat. Et au final, à chaque fois que j'ai dû build, je me suis rendu compte que soit Viridium était meilleur dans le cas présent, soit Lanterne. Alors au moment où vous voyez cette vidéo, je n'ai pas encore utilisé Lanterne, mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Je compte utiliser Lanterne, mais justement, je ne compte pas utiliser Motisma tondeuse. Et même s'il peut m'apporter énormément, il peut m'apporter de la vitesse avec le trick, mais ça je peux le faire avec un autre Pokémon. Je peux avoir du vol switch, mais ça je peux le faire avec Lanterne, ou encore avec Mew, ou si je dois encore jouer sur le vol switch U-turn, je peux faire ça avec Darmanitan, ou encore Manaphy. Donc à ce niveau-là, ou encore Mew, je ne sais pas si je l'ai cité, mais voilà, il peut le faire aussi. Donc à ce niveau-là, c'est pas tant utile. Après, je peux le jouer de manière défensive aussi, c'est vrai, avec le feu follet. Avec le vol switch, c'est vrai que sa lanterne ne peut pas le faire. C'est vrai que sa viridium ne peut pas le faire. Mais une nouvelle fois, je trouve que c'est vraiment particulier et ça ne va pas tant m'apporter que ça. À la rigueur, ce sera peut-être utile sur un match ou deux. Et à la différence de viridium qui a une capacité SP utile, qui augmente l'attaque s'il prend une attaque de type ténèbres, donc ça peut être relativement utile pour Mew par exemple, ou encore Lanterne qui a une capacité encore plus utile qui est Volt Absorb, très utile pour Manaphy, même pour Lanterne lui-même, et ça me permet aussi de bloquer un peu le spam de change éclair sans avoir utilisé un de mes types sol, donc éventuellement une faiblesse au type glace. Donc là je peux compenser ça naturellement avec Lanterne. Donc je me suis dit, je vais proposer un échange donc, au coach des Waterloo Sourcebacks pour Kulbutoke. Kulbutoke, alors pourquoi le prendre? Parce que Shadow Tag, bien entendu Shadow Tag, est autorisé durant cette compétition, donc je compte bien m'en servir. Et en fait, bien Kulbutoke va me permettre d'éliminer un peu toutes les menaces qui sont plus rapides que Mega Garchomp. Même les menaces qui sont embêtantes pour ma team, je peux faire ça avec Counter et avec, donc avec Riposte et Voile Miroir. Il a énormément de PV, donc j'ai juste à investir dans les défenses, que ce soit défense physique comme défense P pour avoir du bulk. Déjà un bulk qui est naturellement présent grâce à ses PV, mais en augmentant ses défenses et défenses spéciales, il va mieux tenir les coups et derrière faire encore plus. Eh bien, de dégâts avec Riposte et Voile Miroir, mon adversaire ne peut pas switcher, et s'il décide de se placer sur Kulbutoke, eh bien j'ai encore. Donc comme ça, il se place, je peux switcher, et à mon tour me placer sur un Pokémon qui se place, s'il est bloqué sur Toxic, sur, je sais pas, Danse Draco, sur Torslam, eh bien c'est pas un souci, parce que derrière, moi je peux me placer à mon tour, puisque ça dure pendant 3 tours. Et enfin, Destiny Bomb. Donc admettons, je veux le jouer Custab Berry, ça active la Custab, je fais Destiny Bomb, j'emporte mon adversaire au tapis, donc c'est vraiment le bon plan. Certes, en trafic format, il faut avoir de la diversité. Pouvoir surprendre l'adversaire, c'est sûr qu'il y a Kulbutoke, ce sera niveau surprise, ce sera assez compliqué, il faudra repasser. Mais je pense que c'est surtout efficace, et c'est pour ça que je l'ai pris. Alors certes, maintenant, il va apporter une faiblesse en plus. Et insecte, une faiblesse en plus. Spectre et ténèbres, chose que je ne désire pas forcément. Étant donné que j'ai déjà Mew, étant donné que j'ai déjà Kaorin, maintenant, il faut savoir qu'il y a des nouveaux coachs qui sont arrivés, qui remplacent des coachs qui ont dû démissionner suite à des problèmes personnels, donc il y a deux ou trois coachs qui ont dû changer, donc les nouveaux coachs arrivant ont dû eh bien, hériter d'une draft qu'ils n'ont pas forcément choisie, donc il va falloir être à l'affût pour de potentiels échanges, bien entendu, et j'espère eh bien qu'on sera présent, et j'espère l'être, pour flairer les bonnes affaires, voilà. Donc voilà en ce qui concerne cet échange, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, ai-je fait une bonne affaire ou pas? Eh bien ce sera à vous de me le dire et ça se verra, je pense, durant les prochains matchs. C'était Sycamore, votre coach, oui, pour cette compétition qui est la Piforgie. Tchuss tout le monde, à la prochaine.